Bienvenue sur Armatic Voyageur CTX. L'interface utilisateur a été entièrement repensée et réimplantée dans le nouveau cadre 64 bits C++ et COCA. Mais Voyageur CTX est bien plus qu'un simple port, car la conception et le flux de travail ont été considérablement modifiés. Je crois que la nouvelle interface utilisateur est beaucoup plus précise, puissante et pratique qu'auparavant. Un grand soin et beaucoup de travail ont été consacrés à garantir que l'interface utilisateur est toujours utilisable, même pour les systèmes lents, avec une résolution adaptative et une utilisation prudente du multithreading. Cela est devenu très compliqué car le cadre Apple Kakao donne très peu de liberté pour contrôler les redessins, les événements, à de nombreux problèmes flous et non documentés concernant le multithreading qui ont causé un grand nombre de plantages et de maux de tête pendant le développement. Merci Apple. Ce nouveau programme tourne donc sur Catalina et il a fallu 2 ans aux développeurs Eric Wenger pour réécrire tout ce programme. Conception de l'interface utilisateur. L'interface utilisateur peut être redimensionnée avec une rétroaction en temps réel et le mode skin est modifiable dans les préférences. On va dans les préférences et ici, skin, on peut changer donc la couleur de l'interface. Le flux de travail et l'organisation de l'écran présentent de nombreuses modifications profondes. La plupart des boîtes de dialogue importantes ne sont plus modulables et apparaîtront sur le côté sans masquer la vue principale. Exemple, je clique ici, la vue principale est toujours disponible. Un nouveau système de position a été rajouté qui est extrêmement pratique. C'est dans cette partie-là qu'on trouve le système de position. Là, on choisit par exemple le mode terrain en cliquant à cet endroit. Ensuite, on peut donc déplacer le terrain indépendamment du ciel et des nuages en agissant sur ces curseurs ici. Ensuite, on peut choisir par exemple de changer les nuages et le ciel. Ici, on va agir sur l'élévation. Et là, bien sûr, on peut mettre les coordonnées exactes avec le clavier numérique. En conclusion, Armatic Voyageur est un programme de synthèse et d'exploration de superbes paysages et mondes virtuels haute résolution. L'application est une nouvelle approche de la création de paysages 3D qui utilise la technologie de synthèse graphique Armatic pour créer des paysages photoréalistes de mondes imaginaires. L'application peut être utilisée de manière autonome à l'aide de planètes intégrées et de systèmes Armatic fournis, où vous pouvez utiliser Armatic Designer pour définir vos propres mondes complètement nouveaux, modéliser des objets 3D, créer des nuages personnalisés, etc. Armatic Voyageur est livré avec une bibliothèque complète de surfaces Armatic, de textures de couleurs, d'objets volumétriques 3D, de nuages, de ciel, de fonds, que vous pouvez utiliser dans vos propres scènes. Vous pouvez personnaliser ces éléments ou les utiliser comme point de départ pour vos propres créations si vous avez Armatic Designer. L'utilisation d'Armatic Voyageur est simple. Choisissez une surface de planète, une texture et une définition du ciel. Définissez l'environnement, couleur, direction du soleil, niveau de la mer, de la neige, brume, humidité.
parcourez la planète en déplaçant et en visant avec la caméra. Enregistrez des lieux intéressants en tant que lieux ou images clés. Rendre des images fixes ou des films. Le mouvement de la caméra et les paramètres environnementaux peuvent être animés pour créer de super voyages planétaires. Si les armes armatiques sont utilisées pour définir la topologie ou l'ombrage, la texture de la planète, la surface et l'ombrage peuvent également être animées afin que les planètes puissent être explorées pendant leur évolution. Armatique Voyageur utilise une approche unique pour créer des paysages virtuels. Plutôt que des techniques basées sur les polygones, Voyageur utilise des fonctions procédurales pour générer des terrains de la taille d'une planète qui sont rendus sous forme de paysages en trois dimensions. Cette technique permet à Voyageur de créer facilement d'énormes planètes sans aucune base de données. De plus, la plupart des blocs de construction procéduraux sont des fonctions fractales adaptatives à bandes limitées qui vous permettent d'obtenir des détails de premier plan époustouflants sans gaspiller la puissance de traitement pour les détails loin en arrière-plan. Armatique Voyageur peut rendre des vues sous forme d'images fixes et d'animations. Les paramètres environnementaux et la position de la caméra peuvent être des images clés et utilisées pour rendre une animation époustouflante. La texture et l'ombrage de la surface peuvent être même animés lorsque vous utilisez des cartes de terrain, des textures de couleurs armatiques designer. L'utilisation des planètes intégrées ou des planètes armatiques fournies est simple et amusante. Les utilisateurs avancés peuvent définir leurs propres planètes et textures à l'aide d'Armatique Designer, soit en partant d'exemples fournis ou en créant de nouveaux systèmes à partir de zéro. Au-delà des planètes, une scène voyageur peut également présenter des villes, de l'architecture, des vaisseaux spatiaux, de la végétation et même des animaux. Armatique Engine 7 a introduit les villes infinies volumétriques procédurales. Armatique Engine 8 a terminé l'ensemble des primitives DF utilisées dans la conception d'objets 3D. Comme pour les terrains, Voyageur a une approche procédurale de la modélisation à travers de la technique appelée Distance Field Ray Machine, DFRM, qui offre une flexibilité incroyable. Pour finir cette vidéo, je tiens à préciser que j'ai testé donc ce nouveau programme avec un Minimac version Catalina et c'est un Minimac à 4 cœurs, donc c'est l'option la moins chère chez Apple, ce qui m'a permis quand même de tester ce nouveau programme et je n'ai pas été vraiment déçu par la puissance de calcul. Et pour conclure, je vais probablement faire encore des vidéos sur le sujet, surtout sur les nouveautés de cette nouvelle version.